vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule où on va parler de la notion de spline cubique. Donc je n'irai pas trop en profondeur dans les splines cubiques, je vais juste vous montrer un peu le fonctionnement, l'idée derrière les splines. Euh, je ne vais pas aller dans la profondeur des démonstrations ou de leur origine ou de leur abstention, je vais vous donner un portail global de c'est quoi l'objectif des splines cubiques. Donc allons-y. Donc avec les splines cubiques, qu'est-ce qu'on va chercher à faire, c'est d'établir des polynômes de degré 3 dans chaque intervalle i donc de xi à xi plus 1. Donc ici, on va avoir des fonctions SI euh, qui vont être égales à AI plus BI fois X moins XI plus CI X moins XI au carré plus DI X moins XI à la 3. Et ce pour I allant de 0 jusqu'à N moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir en fait, c'est s'assurer que la courbe résultante est deux fois différenciable au point d'interpolation. Pour voir qu'est-ce que ça implique, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière capsule, on a vu les polynômes de Lagrange contenus par morceaux. On a vu que ces polynômes-là, ils étaient C0. Ça veut dire que... Seulement la valeur était continue, mais non pas la dérivée. La spline cubique qu'on va obtenir va être C2. C'est-à-dire que la valeur va être continue, sa dérivée première va être continue, ainsi que sa dérivée seconde. Donc, je vous ai mis en vert une spline cubique pour une fonction sinusoïdale. En orange ici, vous voyez sa dérivée première, ainsi que finalement en mauve, vous voyez sa dérivée seconde, qui sont toutes continues en fait. Par contre, on voit rapidement à l'œil que la dérivée seconde, elle est discontinue. L'intérêt d'avoir euh, deux fois cette continuité-là, en fait, d'être C2 ici, c'est que quand on va faire du design graphique ou quand on va faire du dessin assisté par ordinateur, ça va mener à des courbes qui sont extrêmement plaisantes à l'œil, en fait. Donc, l'œil aime beaucoup la continuité dans la conception ou dans les pièces. Donc, tout ce qui est C2, justement, va apparaître comme à l'œil humain lisse, en fait. C'est ça qui est intéressant ici. Donc, l'idée, c'est de bâtir N polynômes d'ordre 3. Ayant chacun quatre paramètres. On aura besoin donc de quatre n équations euh, pour trouver tous ces paramètres. Donc, on va devoir distinguer deux types de points. Si par exemple je dessine cinq points d'interpolation, on va avoir les points intérieurs, puis on va avoir les points extérieurs qui vont être ceux qui vont faire face à des euh, conditions limites un peu dans ce cas-ci, en fait, pour lesquelles les équations vont être un peu différentes. Donc, on va avoir euh, quatre équations en fait euh, pour les points intérieurs. On va voir que si en xi doit valoir la valeur f de xi, si plus 1 en xi doit valoir f de xi. Puis on va avoir aussi l la continuité de s' en xi, puis la continuité de s'' en xi. Donc avec ces quatre équations-là pour les points intérieurs, on va pouvoir bâtir un système d'équations en résoudre pour établir notre spline. Les bords, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'aura pas de continuité. Donc, il nous manquerait des équations. En fait. Donc, au bord, on va avoir deux conditions d'égalité. Donc, on va, savoir, on va savoir que S0 en X0 doit être égal à F de X0, puis Sn en Xn doit être égal euh, à F de Xn. Euh, on, on, va devoir aussi, on va aussi imposer deux conditions libres au bord. C'est-à-dire, généralement, en fait, la première approche, ça va être d'imposer des conditions libres au bord. Donc, d'imposer que S0' et Sn' vont être égales à 0. On va revenir ultérieurement là, sur ce point-là. Donc, on a construit 4 équations pour nos 4 inconnus. On pourrait vraiment juste établir nos 4 équations puis les résoudre en construisant un système d'équations. Mais il existe une manière plus performante et plus simple de construire de la spline. Euh, je vous réfère au livre d'André Fortin si vous voulez vraiment tout comprendre l'origine derrière ça. Ce n'est pas vraiment l'essence même du cours. Là. Comme je vous ai dit, je vais vous présenter les splines un peu comme... Euh, une extension un peu des polynômes de Lagrange continue par morceau, ou juste vous montrer que c'est un outil qui est là. Euh, je ne vais pas vraiment aller dans le détail, qu'on reprogramme des splines cubiques euh, dans leur entièreté. Donc, si on veut résoudre un problème, si on veut établir des splines, ben, les constantes AI elles sont fixées, parce que tout simplement, on sait que AI c'est égal à f de x, Si je vous rappelle, le polynôme d'ordre 3, il est exprimé sous la forme x moins x, Donc, c'était assez trivial d'établir c'est quoi AI. Après ça, on peut trouver c'est quoi les dérivées secondes des splines en résolvant un système tridiagonal d'équations non linéaires que la forme suivante en fait. Donc pour ci-1, ci et ci plus 1 à partir des ai qu'on a retrouvés préalablement. Donc les constantes bi, une fois qu'on a trouvé les ci, peuvent être établies directement par l'équation suivante ici. Puis après ça, on peut trouver les di à partir des ai, bi et ci. Donc, c'est une procédure, okay? c'est un peu long et laborieux de voir quelle est son origine. Ce n'est pas euh, l'objectif de mon cours ici. Je vais juste vous montrer qu'il y a des manières assez euh, systématiques de construire des splines cubiques sans avoir à bâtir des euh, systèmes d'équations qui sont gigantesques. Donc. Je vous ai parlé des fermetures des splines, donc de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aux frontières des, des splines. Donc il y a différentes situations qui apparaissent. Il y a soit des splines naturelles où on va imposer que la dérivée seconde de la fonction soit égale à 0 au bas. Il y a des splines forcées où on va imposer que la dérivée première de la spline soit égale à 0 au bas. Puis il y a aussi des splines à nœuds libres qui, je vous dirais, sont les moins conseillés. L'idée euh, c'est d'utiliser le même polynôme pour le premier intervalle et le second, et, et de la même manière pour l'avant-dernier intervalle et le dernier. On enlève donc concrètement deux inconnus du système. Attention, il faut faire vraiment attention à ça. Plusieurs logiciels vont adopter ce comportement-là par défaut, puis c'est vraiment pas optimal fréquemment en fait. Donc je vais vous montrer un exemple. Si on, euh, on cherche à calculer la valeur du problème de Runge au point x.01 en utilisant des splines cubiques naturelles, avec nos points de colocation de la dernière fois, bien, ici en fait... Euh, nos, euh, si on, rega on regarde les trois, euh, les trois splines différentes, ben, la spline naturelle c'est la courbe en vert, la spline forcée c'est la courbe en orangé ici, puis la spline à l'eau libre c'est la spline en euh, mauve. Donc on voit en fait que la spline en mauve là, se comporte vraiment moins bien que les autres parce que justement elle essaie de mimiquer, là, on, on garde le même, euh, le même polynôme sur les deux premiers intervalles, puis c'est ça qui amène ce genre de résultat-là. Donc, il faut toujours faire un peu attention parce que notamment en Python, la spline libre c'est celle qui va être prise par défaut, en fait. Donc, généralement, c'est sûr qu'on établit des splines avec davantage de points que cinq points, mais néanmoins, là, il faut faire un peu attention à ça. Mais ça, c'est le type de résultat qu'on obtiendrait ici en réalisant l'interpolation avec une spline cubique.